Christian Atsu a été retrouvé sans vie dans les décombres de l'immeuble La Renaissance dans la ville d'Antakya au sud de la Turquie après le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie. C'est donc dans cet immeuble de 12 étages que Christian Atsu venait juste d'acheter un appartement à l'intérieur pour aménager suite à la signature de son contrat avec Atai Sport. Et vous pouvez voir que tout autour de l'immeuble La Renaissance, où Christian Atsu a trouvé la mort, il y a d'autres immeubles qui sont là, qui ont également été secoués par le séisme, mais qui ne se sont pas effondrés. Parce que ces immeubles-là ont respecté les normes de construction parasismique en vigueur en Turquie depuis 1999, après les événements qui ont causé 17 000 morts en Turquie. Nous allons dans cette vidéo aller dans les faits. Je vais vous présenter les faits, les coupables, les responsabilités, mais surtout les perspectives ainsi que les leçons à tirer pendant ces événements douloureux. Avant d'aller plus loin, on va revenir rapidement voir qui est Christian Atsu. C'est un footballeur ghanéen très talentueux qui a été révélé au monde en 2011 lorsqu'il était au FC Porto. Ensuite, il est passé à Chelsea. Il est également passé dans d'autres clubs en Angleterre, notamment à Newcastle. Il est également passé à Everton. Il a fait un court passage en Espagne, à Malaga, avant de rejoindre le mois de septembre dernier. Je pense qu'il a fait également d'autres clubs avant d'arriver au mois de septembre dernier en Turquie avec ses clubs Atay Sport. Alors, c'est un jeune homme très très talentueux que moi personnellement, je l'ai découvert en 2015 lors de la CAN face à la Côte d'Ivoire. Et ce qui était le poison, il était vraiment vraiment le poison de cette finale. Et un jeune très très talentueux, aujourd'hui âgé de 31 ans, une femme, deux enfants, il a laissé et il est parti. Mais revenons dans le contexte d'abord de ce qui s'est passé. Dans le contexte, c'est qu'il y a 8 ans, M. Mehmet Yazar, le promoteur immobilier, avait construit cet immeuble de 8 étages. C'était à la base 8 étages. Et c'était normal parce que quand on fait 8 étages, dans les normes de construction, on est encore dans les constructions normales lorsqu'on est à 8 étages. Pourquoi je dis qu'il y a des constructions normales? Parce qu'il y a des constructions normales et puis il y a des constructions parasismiques. Les constructions normales sont du type statique et les constructions parasismiques sont du type dynamique. Je vais revenir ici dessus tout à l'heure pour quelques secondes. Mais avant cela, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que lorsqu'on veut faire des IGH, donc des immeubles de grande hauteur, la hauteur doit être inférieure à 28 mètres. Ça, lorsqu'on est dans des immeubles normaux, les constructions normales, la hauteur du bâtiment doit être à moins de 28 mètres. Mais lorsqu'on veut aller au-delà, on est dans des constructions de type grande hauteur et dans ces cas-ci, il y a d'autres normes à prendre en compte. Ça, c'est d'abord la base. En plus de ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle les constructions dites statiques et du type dynamique. Lorsque les constructions sont du type statique, on a ce qu'on appelle en physique, donc pour ceux qui ont fait un peu la physique statique, la somme de toutes les forces appliquées à un solide est égale à zéro. C'est ce qui permet de construire aujourd'hui des immeubles qu'on a ici, des villas et ainsi de suite. Parce que la hauteur n'est pas très très importante et en appliquant les règles de la statique, ça passe. Tous les ingénieurs, les architectes, c'est des règles très utilisées dans le domaine de la construction des bâtiments. Dit que lorsqu'il y a une construction normale, on prend en compte le poids du bâtiment et c'est facilement, on peut évaluer facilement par plancher, il y a des normes, les décanewtons par mètre carré, donc on peut facilement évaluer le poids total du bâtiment et le poids total, on prend les forces du vent et ainsi de suite, plus la contrainte du sol pour déterminer le type de fondation qui peut soutenir le bâtiment. Et c'est très simple, on fait des bâtiments soit parfois en semelle isolée, parfois en semelle filante, parfois en radier général, ainsi de suite, ou bien même en micro-pieux. Voilà, ça, c'est très simple à évaluer lorsqu'on est dans des constructions du type normal et des bâtiments ne sont pas du type IGH. Mais lorsqu'on passe en IGH et surtout dans cette zone où la Turquie a déjà frappé cette zone de servitude en imposant tous les bâtiments qui sont construits dans cette zone d'être construits par des systèmes parasismiques
il faut également respecter. Et dans ce système, on parle maintenant de construction dynamique. Les constructions dynamiques ne sont pas nouvelles parce que depuis les phénomènes du Japon et de la Californie, tous les séismes qui ont eu lieu, et d'ailleurs en Turquie même en 1999, il y avait eu des phénomènes là-bas qui ont fait déjà 17 000 morts. Et suite à ça, le gouvernement turc avait déjà imposé qu'il fallait construire dans cette zone-là les constructions uniquement parasismiques. Les constructions parasismiques relèvent en fait du dynamique, c'est-à-dire que lorsque la somme des forces extérieures, donc la force du vent, ainsi de suite, le poids du bâtiment et la réaction du sol, tout ça doivent être égal à la variation du quantité de mouvement, ou bien à la variation de l'énergie cinétique, tout simplement. Ou bien encore, pour ceux qui vont plus loin, ils disent qu'à la masse multipliée par l'accélération. Mais ça reste dans la physique. Mais dans le bâtiment, c'est également vrai. Et c'est ce qui amène à construire des bâtiments qui peuvent mouvoir sans être effondrés. Donc, lorsqu'on évalue la somme de toutes les forces extérieures, mais qui doivent être égales à la variation de l'énergie cinétique, ceci amène à construire et à prévoir des types de fondations sur des rotules. C'est-à-dire que même quand il y a des séismes, le bâtiment peut bouger, peut aller de gauche à droite et venir se stabiliser à un moment donné. Et également, autre chose, ce sont les matériaux utilisés. On utilise les matériaux du type flexible et du type légère qui permettra qu'après un séisme, le bâtiment retrouve son calme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas du tout avec ces messieurs-là. D'abord, la première erreur qu'il a fait, il allait d'abord construire R+8 sans autorisation. Il est venu ajouter 4 niveaux dessus, chose qui n'est pas du tout normale. Il devait aller au minimum, aller demander une autorisation. Il n'avait que 2 choix à faire. Soit ne pas ajouter des niveaux parce qu'il va dépasser, il va aller au-delà. Ou bien, s'il va ajouter 4 niveaux, il devait d'abord tout raser le bâtiment et repartir sur une construction parasismique et aller jusqu'à 12 étages, chose qu'il n'a pas fait. Voilà pourquoi, après ça, il a pris la fuite. Et je vais vous dire rapidement ce qu'il en est. Les promoteurs sont pointés du doigt. Ce qu'il faut comprendre, le problème, c'est que le béton est un matériau très très lourd, donc ça ne respectait pas déjà les types de construction parasismique. Et ce qu'il faut savoir également, en Turquie, Mehmet Yazer n'est pas le seul à être traqué. Ils sont au total 114 promoteurs immobiliers qui sont aujourd'hui recherchés en Turquie pour avoir causé la mort de 40 000 personnes. Mehmet Yazer tentait de prendre la fuite. Il y avait 2 autres qui voulaient partir déjà en Géorgie. Ils ont été arrêtés. Et Mehmet, lui, il est arrivé jusqu'à l'aéroport. Il a été cueilli par la suite par la police et remis à la justice. Et ce qu'il faut savoir également, pour finir, hein, donc je suis en train de vous refaire juste les faits, c'est que la règle, les normes des constructions parasismiques imposées par la Turquie en 1999 a été révisée également en 2018. Donc, ça dit que tout a, même les 4 derniers niveaux qu'il a ajoutés pour faire en sorte que le bâtiment aujourd'hui s'effondre, ne respecte pas du tout les règles. Voilà, donc ça ce sont les faits. Maintenant également, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des phénomènes naturels. On ne va pas tout mettre, c'est quand même des séismes, donc ce sont des phénomènes naturels. Il y a une partie qui revient, on va dire qu'à l'univers, à Dieu, à Allah, ainsi de suite. Ok, d'accord. Mais il faut savoir également que l'homme a sa part de responsabilité. Ce sont des phénomènes naturels et on ne peut pas tout dire que c'est Mehmet Yazer qui a tué Christian Atsu et ainsi de suite. La justice va faire son travail, comme on le dit, la justice va s'occuper du dossier. Mais surtout, les leçons à tirer, c'est que moi, je vais dire quelque chose ici à tous ceux qui veulent acheter des immeubles ou bien qui veulent surtout acheter des appartements. Quand vous voulez acheter des appartements, identifiez tout simplement ce que je viens de dire. Si vous voulez acheter un appartement dans un immeuble de plus de 8 étages, surtout quand vous voulez acheter dans plus de 8 étages, demandez les 2 documents là, c'est très très important. Demandez, est-ce que le bâtiment dans lequel vous voulez acheter votre appartement là, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorisation de construire, et la deuxième chose, le certificat de conformité. Parce que on peut donner une autorisation, c'est chose qui est déjà très bien. Après, s'il n'y a pas de certificat de conformité, c'est-à-dire que le plan qu'on a permis de construire n'a pas été respecté, dans ce cas-ci, le promoteur ne peut pas avoir de certificat de conformité. Et c'est ce qui s'est passé
avec le cas de Christian Atsou. Le propriétaire ne devait pas fuir s'il avait eu une autorisation de construire. Et il avait construit selon les normes. Et après avoir construit selon les normes, il a également eu un certificat de conformité. C'est-à-dire que quand tu es dans les règles, quand tu es en sécurité, quand tout est en règle, mais il n'y a pas de problème. C'est comme tu remettais ta voiture à quelqu'un ou bien tu faisais un accident et que tu avais des assurances et ainsi de suite. Quel que soit le problème, tu n'allais pas fuir en fait. Donc c'est comme quelqu'un qui va faire un accident avec une voiture. Et puis, quand il y a un accident, il fuit parce qu'il sait que la voiture n'est pas en règle ou bien lui, il n'est pas en règle en fait. Donc, voici les leçons à tirer tout simplement. Surtout en termes d'investissement immobilier dans la zone d'Europe parce que la Turquie également, c'est un pays d'Europe qu'il faut le savoir. C'est un pays d'Europe, même si c'est le pays qui est à cheval, si c'est le pays qui est entre l'Asie et l'Europe. Mais quand même, ça interpelle toutes les personnes qui veulent investir dans des immeubles, surtout des grandes hauteurs en Europe. Désormais, vous devez prendre. Je pense qu'il y a d'autres types de papiers, mais le certificat de conformité qui est un document administratif officiel de l'État qui est délivré par le gouvernement pour attester que le promoteur là a respecté les règles de construction. C'est très très important d'avoir ces papiers avant d'acheter des appartements ou bien un appartement dans un immeuble de grande hauteur. Les amis, portez-vous bien.